Madame l'académicienne, cher Dominique Sénéquier, messieurs les académiciens, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les proviseurs, proviseurs adjoints, mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves, je suis très heureux de vous voir si nombreux et au nom de l'ensemble de l'équipe de l'Académie de Paris comme recteur, de vous accueillir en Sorbonne. Je souhaite tout d'abord saluer l'Académie des sciences morales et politiques, puisque depuis 2020 maintenant, grâce au secrétaire perpétuel d'alors, notre partenariat est solide et permet à des milliers de lycéens d'accéder au savoir d'académiciens de renom. Je tiens à vous accueillir ici, dans le grand amphithéâtre, car il symbolise parfaitement ce cycle de conférences des académiciens en Sorbonne. Derrière moi, derrière nous, vous avez le bois sacré, une toile peinte par Puvis de Chavannes, qui représente des allégories, celles de l'éloquence, de la philosophie, de l'histoire, de la science ou de la poésie. Ici même, de grands événements se sont déroulés, le jubilé de Pasteur, par exemple, les Jeux Olympiques, les nouveaux Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin, la célébration du traité de l'Élysée par le président de la République. Et nous avons, dans le cadre de ce cycle avec les académiciens, abordé des sujets très variés, avec de grands noms, des neurosciences, de l'histoire, de la géographie, de la politique, de la diplomatie. Et en octobre dernier, nous avons eu le privilège de recevoir le secrétaire perpétuel, Bernard Stiern, un membre du Conseil d'État éminent et un très grand serviteur de l'État durant plus de 40 ans. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Dominique Sénéquier. C'est une chance, vous vous en apercevrez vite, de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Alors je crois, Madame, que vous êtes d'origine toulonnaise et vous avez fait partie des 7 premières femmes admises à la prestigieuse École Polytechnique qui était encore installée alors à 2 pas d'ici sur la montagne Sainte-Geneviève. C'était, si je puis me permettre de rappeler cette date, en 1972. C'est très loin de vous, mais c'est très près en même temps. Et je ne résiste pas à l'idée de raconter une petite anecdote pour rappeler le contexte d'une époque. Votre professeur de mathématiques de classe prépa vous a écrit, après votre admission, « Trouvez, je cite, « trouvez injuste que vous ayez été accepté à Polytechnique car votre camarade, un garçon, aurait dû être reçu à votre place. » Toute une époque donc, et on ne peut que saluer le chemin parcouru depuis lors. La place des femmes à Polytechnique et dans toutes les écoles d'ingénieurs est maintenant une évidence. À la sortie de l'IX, vous choisissez le secteur du privé plutôt que les grands corps de l'État. Votre vœu est d'assurer votre indépendance et s'ensuit une carrière en tout point exceptionnelle. Après l'assurance, vous avez commencé une carrière d'investisseur en 1996 chez AXA. Et donc ça, c'est assez impressionnant, surtout pour moi qui ne suis pas du tout un homme d'argent. Chez AXA, vous investissez 1 million de dollars et 5 ans plus tard, la somme s'élève à 3 milliards de dollars. Et en 2013, cette entreprise devient Ardian et vous gérez aujourd'hui 150 milliards de dollars d'actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Mais pour vous, et c'est pourquoi vous êtes ici et c'est pourquoi vous êtes académicienne, la finance doit être au service de la société. Dès 2008, vous avez été pionnière du partage des richesses à la cession d'une entreprise. Depuis 2021, Ardian a contribué à la création du premier et plus grand fonds mondial dédié à l'hydrogène vert. Et enfin, vous vous dédiez à la mobilité sociale à travers la fondation Ardian. J'ajoute que vous êtes régulièrement cité dans le classement
des 100 femmes les plus puissantes du monde, établie par le prestigieux magazine Forbes. C'est cette qualité de femme exceptionnelle, de femme d'affaires aussi exceptionnelle, que vous allez aujourd'hui évoquer à travers l'idée d'entreprendre, l'idée d'entrepreneur. Au début de l'aventure de l'entrepreneuriat, il y a l'idée, tout simple, que l'on peut faire quelque chose, que l'on peut agir. Je crois qu'en effet, plus que l'enrichissement, il y a surtout l'envie de faire quelque chose, d'accomplir un rêve, de créer une aventure, de créer de la richesse au sens social du terme. Votre parcours de vie, madame, l'illustre bien. Et c'est aussi le propre de l'idée de l'école, s'élever, se relever, comprendre le monde pour le changer. Bien sûr, le mot entrepreneuriat est assez récent, mais l'idée, elle, traverse le temps, chez les hommes, chez les femmes. On peut penser à Chanel, orpheline sans le sou, échappant à un mariage forcé et créant son petit salon de modiste et qui, à force de travail, d'abnégation, de rencontres, d'intuition, eut la consécration mondiale que vous savez et est encore aujourd'hui un nom pour la France qui rayonne dans le monde entier. Il y a donc dans ces entreprises, mais derrière dans ces destins, quelque chose de proprement exceptionnel. Vous montrez par votre réussite, madame, qu'il n'y a pas de milieu masculin ou de milieu féminin. Il y a l'envie, il y a la volonté, celle de l'accomplissement. Vous nous rappelez aussi que les diplômes ne sont pas tout dans une France qui est très déterminée socialement et très déterminée, trop déterminée par ses diplômes. Trop souvent, selon qu'on est à 20 ans, auditeur au Conseil d'État ou manœuvre chez Amazon, on a tendance à penser que c'est pour la vie. Et ça, c'est un point dont nous sommes conscients et contre lequel il nous faut lutter collectivement, bien entendu. Alors, votre présence, chers élèves, vous permettra, je crois, de mieux comprendre ce qu'est l'entreprise, ce qu'est entreprendre, parce que je n'hésite pas à le dire, même si je suis recteur, la France a besoin d'entrepreneurs. Dans un monde de plus en plus numérique, dans un monde où nous sommes confrontés à des défis sans nom, climatiques, sociaux, numériques précisément, nous aurons besoin de l'ensemble des talents de la société que vous représentez ici pour les relever, et pour ça, il faudra oser. Il ne faudra pas penser en termes « je ne peux pas y arriver » ou « j'ai peur de l'échec », non. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des brouillons, des répétitions pour arriver et chaque rêve peut s'accomplir. Je souhaite vraiment, à travers cet exposé que nous attendons tous impatiemment, et je vais donc m'arrêter très vite, j'espère que vous susciterez des vocations parce que nous avons besoin d'entreprendre, nous avons besoin d'être créatifs ensemble. Merci donc, madame, pour votre présence aujourd'hui. Merci aux académiciens d'être présents aujourd'hui. Merci aux professeurs d'avoir préparé et accompagné des élèves. Et merci à vous, chers élèves, d'être présents aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci, monsieur le recteur. Merci de votre introduction. Pour compléter votre anecdote sur le professeur, je dirais qu'il avait sans doute raison, mais il avait oublié la notion de destin. Alors, pour venir sur la notion d'entrepreneur, je vais vous rappeler quelques commentaires historiques et comment, en 1930, John Maynard Keynes, le grand économiste dont vous avez certainement écouté et entendu par vos professeurs les théories macroéconomiques, écrivit un livre très connu qui s'appelle « Lettres à nos petits-enfants ». Nous sommes donc en 1930. Il y dit « Je m'attends au plus grand changement qui se soit jamais produit ». Il y prédit que dans les pays de progrès, le niveau de vie dans 100 ans sera 4 à 8 fois celui supérieur à 1930.
En fait, il n'a pas fallu attendre 2030 pour le constater. Dès le début du XXIe siècle, le revenu des habitants des grands pays développés, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France, avait déjà dépassé plus de 4 fois ce qu'il était en 1930. Qu'a d'autre a prédit Keynes ? Il explique que, sous la pression de la lutte pour la subsistance, l'humanité s'est trouvée contrainte d'adopter des principes pseudo-moraux qui exaltent certains des traits les plus déplaisants de l'être humain en les faisant passer pour les plus hautes vertus. Le désir de monnaie, autrement dit le désir d'argent, et l'intentionnalité, qui est encore plus intéressant, c'est-à-dire la propension à être plus sensible au futur, aux effets lointains qu'aux effets immédiats. Les jugements qu'il formule contre ces comportements sont féroces, penchant morbide et répugnant, dit-il en parlant du désir d'argent. Il envisage le triomphe de ceux qui savent prendre plaisir aux choses et qui préfèrent le bon à l'utile. Il se focalise plus sur les valeurs de l'activité économique, sur son code éthique ou son système de moralité. En ce sens, Keynes est visionnaire. Il est visionnaire sur les développements récents en matière ESG, vous connaissez très bien le sigle, environnement, social et gouvernance. Alors, pour vous tous, si la fibre entrepreneuriale n'est pas alimentée par le désir d'une réussite pécuniaire, par quoi est-elle motivée ? Qu'est-ce qui a amené messieurs Hewlett et Packard, vous avez peut-être tous un petit ordinateur HP, ou un grand d'ailleurs, ou bien monsieur Steve Jobs, ou de nombreux entrepreneurs français du 20e siècle, c'est-à-dire de l'après-Deuxième Guerre mondiale, Pierre Burel, un très grand monsieur qui est mort déjà il y a quelques années, qui a fondé Plastic Omnium, ou Bernard de Coninck, un groupe que vous connaissez aussi sans doute, qui s'appelle Sommer Alibert et maintenant Tarket, qui fait des moquettes. Qu'est-ce qui les a poussés finalement à lancer une activité industrielle ? Souvent, l'histoire d'un entrepreneur commence par une petite usine, un petit atelier. Et si Joseph Alibert, en 1911, crée une usine de fabrication de semelles en Isère, c'est son gendre Bernard de Coninck qui importe les premières presses à injecter des États-Unis et installe une usine à Grenoble. Dans un premier temps, il fabriquera des pièces plastiques en sous-traitance, par exemple des façades de téléviseurs pour le groupe Thomson. 110 ans après, un siècle, Sommer Alibert devenu Tarket est le numéro 3 mondial des revêtements de sol avec un chiffre d'affaires à 3 milliards d'euros. Qu'est-ce qui a poussé, je vous donne des noms que sans doute pour certains vous ne connaissez pas vu votre génération, mais je suis un peu entre les deux et donc ça me fait plaisir d'évoquer ces gens extraordinaires. Qu'est-ce qui a poussé Isaac Carasso, né en 1874 à Salonique, a créé une entreprise de yaourt qui deviendra Danone, du prénom de son fils Daniel. Danone est le diminutif catalan du prénom Daniel. En Espagne, où finalement la famille avait fui à partir de Salonique, ils étaient partis. Dans son cas, il voulait tout simplement soulager les troubles intestinaux des enfants en fabriquant du lait fermenté, qui est un ingrédient des yaourts, qui était très populaire dans les Balkans d'où il venait. Et il commence par vendre finalement en pharmacie comme un remède. Alors, est-ce que vous connaissez messieurs Hewlett et Packard ? Est-ce que vous savez qu'ils ont commencé dans un garage ? L'histoire est très connue, à quelques kilomètres de San Francisco. Ils s'appelaient William Hewlett et David Packard. Ils ont créé ensemble, ils s'appelaient en fait Bill et Dave, ils étaient très amis. Et ils ont même joué à pile ou face, le destin, le nom de la société Hewlett-Packard, plutôt que Packard-Hewlett. Et ils démarrent par des instruments d'essai et de mesure en 1940, et ce n'est que 26 ans après, vous voyez le temps, la notion du temps, quand vous entreprenez, il faut donner du temps au temps, et ce n'est qu'en 1966 que HP produit son premier ordinateur. Steve Jobs avait 2 amis, Wozniak et Roland Wayne. Il crée Apple en avril 1976, il a à peine 21 ans. C'est très bientôt pour vous.
Mais le Macintosh ne naît que 8 ans après, en 1984. Il quitte l'entreprise en désaccord en 85, en développe une autre, et puis Apple, ça se passe pas très bien, et il revient en 1997, alors que la société est au bord de la faillite. Mais en fait, c'est dès l'âge de 16 ans, et là on est donc vraiment dans votre tranche d'âge, qu'il commence à bricoler des Blue Box avec son ami Wozniak. Alors, aussi peut-être une notion, souvent, il y a la création en amitié. C'est pas du tout rare que ce soit deux personnes qui s'aiment bien, dont les qualités sont complémentaires, donc vous voyez, vous pouvez le faire à plusieurs, et donc, qui ont envie de créer une entreprise. Alors, pour en revenir à Keynes, on ne peut pas dire tout à fait que l'initiative de Steve Jobs était très morale. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque la Blue Box consistait à fabriquer un appareil, je ne vous dis pas de faire pareil, hein. Blue Box consistait à fabriquer en fait un appareil qui permettait de passer des appels à longue distance de façon entièrement gratuite, en fraudant donc les sociétés de téléphone, et en particulier AT&T. La fibre entrepreneuriale, donc qu'est-ce que c'est? C'est avant tout le désir de créer, de partir d'une feuille blanche avec une idée et puis de l'accomplir. L'entrepreneur doit avoir de nombreuses qualités. La persévérance, la vision et l'organisation. On peut apprendre sur le tas, et ça je vous y incite, un très grand nombre de choses. Il faut commencer jeune, faire des stages dans les entreprises, dans des secteurs où vous aurez envie de travailler ou de créer, comme Steve Jobs, je reprends mon exemple, qui a commencé avec un stage chez Hewlett-Packard. Quand on parle d'entreprise, en fait, on parle d'entrepreneurs, d'hommes, de femmes et de rencontres. La dimension humaine est essentielle et, à ma connaissance, à aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas encore créé une entreprise. Alors, comment se lance-t-on en France? Quelle forme juridique? Parce que c'est bien beau de vous dire créer, mais comment on fait? Eh bien, vous avez un statut en France qui est un statut extrêmement simple, qui s'appelle le statut d'auto-entrepreneur. Ce statut, il n'y a pas besoin de capital, pas besoin de statut, juste une simple déclaration en ligne. On vous projette en ce moment la méthode qui est extrêmement simple. Il faut un livre de recettes. Quand on dit recettes, vous voyez, c'est vraiment recettes comme dans une épicerie. Et il ne faut pas de compte ni de bilan. Il y a juste une notion de plafond d'activité. Vous avez une limite qui est 188 700 euros de vente, ce qui est déjà bien quand on les fait, quand on se lance, et 77 700 si c'est des prestations de services, mais ce qui est aussi un très joli chiffre d'affaires si on se lance dans une activité. Le régime fiscal et social est simplifié, et il y a un plafond pour la TVA, tout ça est dans la slide, et vous pourrez le trouver aisément. Mais pour dire, c'est un statut qui a été inventé en France, il y a pas mal d'années déjà, et qui est extrêmement simple. Bon, on exclut de ce statut, par exemple, je vous le dis, pour que vous ne pensiez pas que vous puissiez l'avoir, des activités agricoles, des notaires, des experts comptables, des agents immobiliers, et les marchés financiers ne peuvent pas faire l'objet d'une création dans ce statut. Alors sinon, vous avez une deuxième forme, qui n'est pas très compliqué, mais un peu plus, qui s'appelle des SARL, des sociétés à responsabilité limitée, ou bien des EURL, des entreprises uniques à responsabilité limitée, avec donc des gérants. Et enfin, alors après, c'est pour quelques années après la création d'une entreprise, vous avez ce qu'on appelle des sociétés anonymes, et là, qui ont différentes formes, sociétés, vous le savez, conseils de surveillance et directoire, des sociétés à conseil d'administration, voire même en France, il existe encore la notion de société en commandite par action. Pour vous dire, par exemple, si vous avez entendu le nom, j'en suis certaine, du groupe de luxe Hermès, qui est une société qui date de peut-être 150 ans, cette société est toujours une société en commandite par action, c'est-à-dire que c'est la famille qui gère la société. Alors, votre génération, beaucoup, beaucoup plus jeune, a entendu parler des concepts d'entreprise à mission, ou bien la nécessité de ce qu'on définit qui est une raison d'être, c'est-à-dire deux notions introduites par la loi Pacte de 2019. C'est pour ça que c'est relativement récent. Mais il y avait déjà eu cette notion dans une loi en 2001 qui s'appelait les nouvelles régulations économiques, et on commençait à évoquer la notion de rôle sociétal de l'entreprise. Alors, ça ne change en rien, il faut le comprendre, vous avez la notion de droit, c'est-à-dire vous faites votre société,
Et vous pouvez additionner, dire, ben, cette société, c'est une, par exemple, société anonyme, elle sera une entreprise à mission. Donc, ça ne change en rien, mais ça permet d'intégrer cette notion dans ce qu'on appelle l'intérêt social et de la société, dans les statuts. Donc, la raison d'être, elle couvre, en fait, un projet à long terme. Alors, à l'écran, là, je ne le vois pas moi-même, mais vous avez quelques exemples, reprenant Danone. La raison d'être, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Le Crédit Agricole, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. AXA, protéger et agir pour un futur serein. Alors, je vous cite pas l'ensemble, mais ça veut dire que les sociétés, maintenant, avec, vous savez, toutes les nouvelles normes ESG et les agences de notation qui notent les questions environnement, social et gouvernance, eh bien, il y a cette notion. Et donc, les grandes sociétés, pratiquement toutes, cherchent et établissent une raison d'être. Ça inclut aussi des objectifs sociaux et environnementaux et aussi une bonne gouvernance avec un organe de contrôle. Quand on dit un organe de contrôle, c'est généralement, on va dire, on simplifie, un conseil d'administration qui doit aussi avoir un salarié, ça c'est important, dès que la société a plus de 50 personnes. Alors, les engagements de ces sociétés où il y a une raison d'être, entreprise à mission, elles s'appuient sur des objectifs de développement durable qu'a défini l'ONU. Alors, la mesure des émissions de carbone, de dioxyde de carbone et des engagements de réduction, favoriser le maintien de la biodiversité. Pour vous dire, il y a même des formations au sein des conseils d'administration aujourd'hui sur la biodiversité. Ça inclut aussi, par exemple, pour les grandes sociétés comme Louis Vuitton ou Hermès, toutes ces grandes sociétés de luxe françaises, de recycler, on y va y venir, tous les vêtements, toutes les chaussures. La loi a créé une obligation qui interdit la destruction des stocks. Donc, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, les stocks étant tout ce que vous n'avez pas vendu en fin d'année, que vous avez à l'actif de votre bilan. Je vous montrerai comment est composé un bilan. Eh bien, vous avez l'interdiction de ça. Vous devez aussi contrôler tous les fournisseurs avec les mêmes standards, y compris, vous le savez, sur l'emploi des jeunes qui est fortement réglementé. Alors, je vais peut-être passer sur les détails de l'entreprise à mission, peut-être pour vous dire qu'aujourd'hui, ces critères ESG sont particulièrement importants et que nous-mêmes, Ardian, qui gérons donc 150 milliards de dollars, avant d'investir dans une entreprise, on fait un audit ESG, on fait ce qu'on appelle un rating, et si on décide, si le rating n'est pas trop mauvais, qu'on décide d'investir, on définit avec le président le plan de progrès pour que les indicateurs soient meilleurs. Donc, tous ces développements ESG, et voyez en particulier l'interdiction de détruire les stocks, créent des métiers nouveaux. Et je vous le dis parce que c'est source d'énormément de créations. Et elles correspondent aussi, et principalement, je dirais, au souci de votre génération, qui est généralement de sauver la planète, de faire des économies, de recycler les biens, et d'avoir un métier. Je sais que c'est une grande demande des jeunes, parce qu'on le constate aussi chez nous, d'avoir un métier qui a du sens. Alors, je vous donne, là, sur l'écran, vous verrez l'exemple de, je crois, trois sociétés. Et ça, évidemment, ces lois sont sur toute l'Europe. Donc, vous verrez que, par exemple, la société allemande Versero s'occupe de recycler du textile. Donc, puisqu'on n'a plus le droit de détruire, eh bien, il faut trouver que les vestes, les pantalons, les chemises, etc., on les recycle et on arrive à faire, par exemple, d'autres tissus ou bien des couvertures, etc. Et donc, ça, c'est des métiers qui deviennent extrêmement importants. Vous avez aussi la société belge qui s'appelle El Sayed, l'entreprise de recyclage, en particulier de chaussures usagées. Et donc, de chaussures usagées, mais aussi, je vais vous dire, de chaussures neuves, parce que quand les stocks ne sont pas vendus en fin d'année, eh bien, par exemple, toutes les baskets, même de marque Vuitton ou de marque Hermès, doivent être complètement décortiquées. Mettez les lacets d'un côté, le cuir de l'autre, les semelles de l'autre, et chaque partie est recyclée.
et ça a donné lieu à des créations d'entreprises qui sont aujourd'hui très significatives. Voilà. Donc, vous le voyez, l'entrepreneur du XXIe siècle n'est pas du tout et ne vit pas dans le même monde que celui du XXe siècle. Dans les exemples que je vous ai donnés, M. Burel ou M. de Coninck, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, n'avaient pas du tout... Ils étaient tous les deux, en plus, dans des industries liées au plastique, et je peux vous dire que le plastique, ce n'était pas un gros mot en 1945. En 2023, ça l'est beaucoup plus. Donc, il a à prendre en compte dans son projet, vous aurez à prendre en compte dans vos projets d'entrepreneuriat, toutes ces valeurs et engagements sur la lutte contre le réchauffement climatique, les engagements sur la diversité au sein de vos entreprises, et aussi sur une protection sociale exemplaire de vos employés et sur le partage de la valeur entre les actionnaires, les salariés. C'est-à-dire que, imaginons que vous soyez très successful, comme on dit en anglais, que vous ayez un grand succès, que vous ayez 20 employés, eh bien très vite vous verrez que vous aurez à penser à la redistribution de vos propres gains avec les personnes que vous employez. Sur le partage de valeurs, quand vous serez entrepreneur, vous découvrirez aussi qu'on a eu un président de la République après la Deuxième Guerre mondiale, de Gaulle, qui a inventé un système extraordinaire qui s'appelle le système d'intéressement et de participation. De Gaulle était un homme qui avait une grande dimension sociale et ça concerne toutes les entreprises de plus de 50 personnes. Donc ça organise en fait de manière légale un partage des profits entre l'entreprise et les salariés. Macron, notre président actuel, a aussi facilité beaucoup la notion d'action gratuite. Et les actions gratuites sont un outil d'intéressement des salariés qui est absolument extraordinaire, puisqu'on peut émettre 10% d'actions, c'est-à-dire diluer les capitalistes, excusez-moi l'expression, pour donner aux salariés 10% d'actions. Et Macron a même fait quelque chose de mieux, parce qu'avant c'était limité à 10%, et il a dit, ben non, finalement, quand les actions auront été données aux salariés, qui seront vraiment actionnaires, parce que généralement on les donne au début, mais on les acquiert que 4 ans après ou 5 ans après, eh bien il a dit, ben non, ben à ce moment-là, ça devient des actions normales, et on pourra réémettre. Ce qui fait que, si vous voulez, cette notion est très très riche, puisqu'elle permet régulièrement de réémettre des actions pour diluer les grands actionnaires et donner aux salariés. Voilà. Alors, on est bien sûr très loin, je vous l'ai dit et je vous le redis, pour que vous voyez que votre génération va vivre et va travailler dans un contexte différent. Et je dis, on est très loin, par exemple, de je vais vous citer un autre exemple, de Louis Renault, qui a inventé la première Renault en 1898, mais qui a eu un destin extrêmement triste, puisqu'en 1944, il a été accusé de collaboration avec les Allemands, il a été arrêté et il est mort en prison. Alors, je vais vous dire un petit peu plus de détails pour vous faire réfléchir à des notions morales sur l'entreprise, et vous verrez que quelquefois, il y a des choix déchirants. En 1936, dans les usines de Renault, les ouvriers de Renault à Boulogne-Billancourt sont devenus des champions de l'amélioration des conditions de travail et de vie et de la lutte ouvrière syndicale en France. Pour vous dire que Louis Renault permettait ça, et donc c'était un président et un fondateur moderne. Quand on parle d'éthique dans les entreprises, on doit aussi s'apesantir, et vous en aurez, si vous créez vos entreprises, vous en aurez. Vous devrez, par exemple, regarder la couleur de l'argent que vous recevez pour vous aider à créer votre entreprise. Vous ne pourrez pas prendre, comme on dit, de la black money, de l'argent qui a été sale, c'est-à-dire qui a été issu d'activités qui sont illégales. Donc, quand on parle, en fait, d'éthique, on doit donc s'apesantir, et c'est assez facile de condamner, mais il est moins aisé de savoir ce qu'on aurait fait ou ce qu'on ferait à leur place. En 1942, les Allemands bombardent les usines Renault. Il meurt 500 personnes et 2000 autres sont blessés. Louis Renault décide de reconstruire et maintenir la production sur le site pour maintenir l'emploi. Et malheureusement pour lui, évidemment, la production va aux Allemands, ce qui lui vaudra son arrestation. Donc, fallait-il choisir de continuer à produire ou fallait-il arrêter, mettre tout le monde au chômage?
Donc les choix ne sont pas simples dans la vie. Et il a fait un choix qui lui a valu sa mort. En 2023, et ça vous allez sans doute me reprocher mon commentaire, mais j'ai eu le courage de le faire quand même, de nombreuses entreprises pétrolières sont attaquées pour la production d'énergie fossile, vous le savez. Et même les jeunes, tous les jeunes, ne veulent plus aller y travailler, ce qui crée des problèmes très importants d'ailleurs de recrutement pour, en particulier, notre champion national, si je puis dire, il est quand même champion puisqu'il est cinquième du monde, il s'appelle Total. Il compte 105 000 salariés, c'est plus que Renault à l'époque, dans 130 pays. Alors, que doit-on faire ? Doit-on vilipender ? J'ai vu que Bruno Le Maire, effectivement, enlevait le label ISR, donc investissement socialement responsable, à toutes les entreprises qui continuent à faire des recherches dans le domaine du pétrole. Ou bien, faudrait-il donner un petit peu de temps aux managers pour réorienter l'entreprise ? On sait tous qu'il faut réduire le CO2, on sait tous qu'il y a un problème de réchauffement climatique, on sait tous que ça ne se fait pas en un jour. Et donc, je vous redonne mon exemple, s'il a fallu 100 ans à Sommaire, à Libère, pour passer des semelles de chaussures au revêtement de sol et devenir le troisième mondial, peut-on demander à Total de devenir en très peu d'années une société produisant 100% d'énergie renouvelable ? L'histoire des entreprises et de vous tous ici dans la salle, c'est une histoire de talent humain et de temps. Le talent et votre talent vous donnera la vision, l'envie de créer, et le temps vous permettra de faire évoluer cette vision avec les changements du monde. Vous savez, vous connaissez tous, vous l'avez appris, vous connaissez ce poète Jean de La Fontaine, il disait « Patience et longueur de temps fait plus que force ni que rage ». Alors, nous avons parlé des formes juridiques de l'entreprise, alors parlons un petit peu des comptes et de la finance. Pour avoir du succès, on doit avoir une vision, la vision d'un produit, la vision d'un service, mais on doit malheureusement aussi un petit peu comprendre les chiffres, la comptabilité, la finance. La clé du succès est certainement la compétence à savoir discerner les qualités aussi dans son entourage. Donc, vous voyez qu'un entrepreneur doit avoir beaucoup de qualités. Il doit aussi savoir recruter. Vous qui créerez, vous serez le leader et donc vous devrez donner la direction. En fait, le chef doit donner la direction. Après, avec un statut d'entrepreneur, vous ne devriez pas être extrêmement, je dirais, alourdi par les travaux administratifs. Le capital d'une société, vous le savez, est divisé en un nombre d'actions. Le bilan, c'est quelque chose de simple. On va vous le présenter. Je ne vais pas m'alourdir là-dessus parce que vous avez des professeurs pour vous présenter ce qu'est un bilan. Et si vous commencez par le premier statut d'auto-entrepreneur, cela sera relativement facile. Alors, maintenant, il y a encore un ou deux petites difficultés. Je suis désolée. De toute façon, ça ne vous empêche pas de vous lancer, hein, parce que c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Donc, c'est que la Commission européenne a adopté donc des standards qui s'appellent le European Sustainability Reporting Standard, qui s'appliquent aux sociétés qui doivent fournir de l'information sur d'après la directive européenne sur ce qu'on appelle le sustainable. Enfin, donc. Alors, le nouveau défi est qu'il reste en fait un certain nombre de latitudes aux entreprises pour ce qu'elles doivent faire. Ces normes sont en lien aussi avec ce qu'on appelle les International Sustainability Standard Board, qui est présidé par un Français qui s'appelle Emmanuel Faber, qui est l'ancien président de Danone, qui a toujours été en amont sur ces sociétés à mission et sur le développement durable, ce qu'on appelle chez nous le développement durable. Donc, ça veut dire que si votre société grossit, ben vous aurez à remplir ces normes. Voilà. Donc, il faut savoir, ce n'est pas pour tout de suite dès la création, parce que ça s'applique à des sociétés d'une certaine taille, mais enfin, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup de grandes entreprises, parce que ça peut les pousser aussi à changer leur comptabilité, parce que, par exemple, on vous donne un exemple très simple, les sociétés qui créent, par exemple, qui ont des moteurs thermiques, vous savez qu'en Chine, ils sont très en avance sur les voitures électriques. À Pékin, pratiquement plus de 50% des voitures sont électriques. Donc on pourrait dire que tous les gens qui font des moteurs thermiques, soit au diesel, soit à l'essence, eh bien, ils doivent amortir, s'ils ne peuvent plus produire de voitures, tout ce qu'ils ont à l'actif, l'amortir très rapidement, et donc ils peuvent être en faillite. Donc c'est des notions qui sont aujourd'hui extrêmement dangereuses, je veux dire, pour
une nouvelle vue économique des entreprises. Voilà. Un académicien éminent, Yves Codemet, qui est professeur émérite à l'Université de Paris Panthéon-Assas, a écrit récemment un article fascinant sur ce thème un peu subtil, je dois vous l'avouer, mais je vous le dis quand même, des nouvelles régulations et obligations de compliance et de vigilance qui sont imposées aux entreprises. Voilà. Donc, parce qu'on passe d'un monde, si vous voulez, du droit. Avant, quand on commençait, quand on était jeune, dans les années, je veux dire, 50 ou 80, on avait un code civil, un code du droit des sociétés. Aujourd'hui, à cela s'ajoute un certain nombre de régulations qui peuvent être, quelquefois, un peu plus floues. Voilà. Donc, vous serez des entrepreneurs du 21e siècle. Et donc, vous voyez que je ne veux pas vous dégoûter en vous disant que vous aurez dans 30 ans, après la création et après le développement, des obligations, vous apprendrez en marchant. Mais néanmoins, ce sont des nouvelles entreprises qui sont chargées, à travers leur plan de vigilance, de mettre en œuvre des promesses climatiques qui sont très importantes. Voilà. Donc, les qualités requises pour un entrepreneur ne cessent d'augmenter. Il lui faut non seulement toutes celles qui étaient nécessaires, on va dire, au XXe siècle, l'envie, le désir, mais une faculté d'adaptation accrue pour un monde technologique qui change de manière très rapide, un monde de réglementation, quelquefois mouvante, et un environnement géopolitique qui est moins favorable, vous le voyez aujourd'hui, qu'entre 1950 et 2010. Donc, mais même si cela requiert d'être accompagné de plus en plus d'experts, de plus en plus de compétences pointues, la réussite entrepreneuriale, pour vous tous, sera sans doute une des réussites humaines les plus valorisantes, car elle résulte fondamentalement d'un travail collectif où beaucoup de vertus sont requises. Les vertus cardinales, vous les connaissez, vous les avez apprises à l'école, qui sont célébrées depuis l'Antiquité grecque, c'est-à-dire la prudence, on l'a dit tout à l'heure, la tempérance, la force d'âme, la justice aussi, la justice envers vos employés, mais on peut y ajouter aussi le dévouement, la solidarité, la sagesse, l'humanité. Donc, chacun d'entre vous qui a toutes ces qualités, ou une petite partie, peut se lancer dans la création d'entreprise. Donc, pour conclure, et pour plagier un grand philosophe qui a dit « Quelle que soit la difficulté d'une œuvre philosophique, il y a un foyer incandescent qui est une idée autour de laquelle tourne une œuvre. » Eh bien, il en est de même pour l'œuvre de l'entrepreneur. Voilà, je vous remercie. Un produit au début. Un produit, deux produits 3 ans après, 3 produits 5 ans après, c'est tout. Et maintenant, on a 150 produits, 150 fonds en gestion. Donc, allez lentement, pensez au client, d'abord client, et qu'est-ce que le client a envie d'acheter. Voilà, donc. Peut-être, madame, pour illustrer votre propos, quel était le produit? Ah, le produit, c'était simple. Le premier produit, c'était un fonds qui était dédié à un pays, qui était la France, et qui rachetait des entreprises, disons, dont le chiffre d'affaires... Alors, c'était en 96, donc c'était le franc français. Et on va dire que c'était des entreprises qui faisaient pas plus de... on va dire peut-être 1 milliard de francs français, enfin 150 millions, on va dire, d'euros d'activité. Voilà. Donc ne pas se lancer au départ, parce que je pense que c'est un peu la question de monsieur, sur une activité trop diversifiée. Il faut y aller progressivement. Ben, je trouve, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup, vous l'avez entendu, sur les questions de recyclage. Je trouve que dans ce domaine du recyclage, il y a énormément de choses à faire. Voilà. Donc vous pouvez regarder... vous-même, parce que Google est quand même une grande source d'informations. Les entreprises qui sont, par exemple, je dis n'importe quoi, sur le recyclage du cuir, des chaussures, et puis il y a une demande colossale.
Et donc, si vous créez une petite entreprise dans ce domaine-là, croyez-moi, elle aura très vite des clients. Voilà. Et en plus, les sociétés, comment vous expliquer, le critère ESG, il va aussi avec le fait de faire travailler des petites entreprises. Donc, je pense que c'est un secteur simple, abordable, et vous pouvez faire très vite quelque chose. Alors, je vais peut-être vous dire qu'on sera ravis de le faire, on le fait déjà, on sera ravis de le faire plus. On a une fondation qui s'appelle la Fondation Ardian, qui a un budget significatif et qui aide énormément Alors, elle est dédiée, on va dire, à la petite enfance défavorisée, parce que toutes les études montrent que c'est tout dans l'âge entre 0 et 4 ans, 4 à 6 ans, qu'il faut absolument accompagner les enfants qui grandissent dans un milieu pauvre où quelquefois ils n'ont même pas tout à fait de quoi manger. Donc notre fondation, après avoir été beaucoup liée à l'association Fratelli qui faisait beaucoup de mentorship d'étudiants plutôt même un peu plus âgés que ceux qui sont dans la salle et pour les préparer aux études supérieures et ensuite à l'intégration professionnelle, on fait toujours ça, mais on s'est beaucoup focalisé sur la petite enfance. Alors, nous, on est extrêmement favorables et on a en permanence, on est 1050 dans le monde, on a 19 bureaux, on a en permanence, je dirais, une centaine de stagiaires. Ces stagiaires étant des stagiaires en généralement de facultés, de grandes écoles, d'écoles de commerce, de toutes sortes de formations. On ne fait pas de différence, il y a des interviews et on recrute et on a 10% de notre effectif qui sont des stagiaires. Donc on donne énormément. Maintenant, on a aussi des demandes. Je vous dis d'abord déjà ce qu'on fait, puis après on peut discuter de ce qu'on pourrait faire avec vous, mais on sera ravis en tout cas de le faire et de l'étudier, mais l'étudier et de le faire. Il y a dans classe, je crois, de troisième, je ne me souviens plus si c'est collège, mais je crois que c'est plutôt collège, il y a un stage qui est court, à mon avis, de une semaine, c'est ça, où on nous envoie des jeunes, moi j'appelle ça des enfants, mais c'est des jeunes en troisième, c'est pas des enfants. Et donc, ils viennent. Une semaine, c'est très, très court. Très, très, très court. Donc, déjà, je vais vous dire, si l'école permettait, alors je ne sais pas si c'est la collège, le lycée, de permettre à un élève un mois, mais un mois, c'est peut-être long, je ne sais pas, il faudrait discuter. Mais moi, je trouve que le fait de venir dans une entreprise, de voir comment ça marche, de ne pas leur faire peur non plus, parce que finalement, je vous l'ai dit, tout ça, c'est des hommes, des femmes. L'intelligence artificielle, il faut la remettre là où elle est. C'est-à-dire que ça améliore les process, ça fait qu'on fait plus vite certaines choses qui sont dans le domaine technico-industriel. Mais ça ne va pas remplacer les hommes, en tout cas pas demain matin. Ça va remplacer certains métiers qui sont des métiers extrêmement répétitifs. Voilà. Donc, on est prêt à accueillir chez nous, mais si on doit aussi aller dans les lycées, vous savez, on a en permanence, je crois, non seulement on a 100 stagiaires, mais chez nous, on a 100 mentors, c'est-à-dire 100 de nos salariés qui coach des jeunes. Donc, si vous voulez, on peut très bien aller dans un lycée chez vous, choisir avec vous, je ne sais pas, 10 élèves de la classe et les coacher pour leurs études, pour tout. Ça, on serait ravis de le faire. Voilà. Donc, on est très désireux parce qu'on trouve que tout ça est très, très important pour donner aux jeunes d'abord moins de peur sur l'intégration dans des entreprises et leur montrer que tout est possible, puisque tout est possible, à cet âge-là, tout est possible. Ah, écoutez, ça dépend dans quel pays, je vais vous dire. Il y a un degré dans le machisme. On va rentrer dans un sujet compliqué. Et j'aime pas trop, mais c'est quand même la vérité. Et c'est moins vrai sans doute pour votre génération. Moi, quand j'ai commencé en 1975, je peux vous dire que l'Angleterre en particulier était extrêmement sexiste. En 1975, le Japon ne regardait pas les femmes dans le domaine professionnel. Alors, c'est totalement différent, je vais vous dire, du Moyen-Orient et de la Chine. Parce que la Chine, Mao Tse-tung a eu des défauts et des vertus, comme chacun d'entre nous. Une vertu, ça a été pour les femmes, ils ne voulaient pas faire de distinguo.
entre les hommes et les femmes, ce qui a été très 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 dur parce que du coup, à la limite, il n'y avait même pas de congé de maternité. Donc c'était un peu violent. Maintenant, 50 ans après, ça veut dire que les femmes sont dans les entreprises en Chine tout à fait au même niveau que les hommes. Au Moyen-Orient, je n'ai jamais eu la moindre difficulté, si vous pouvez le croire. C'est absolument extraordinaire. Tous mes partenaires qui sont les fonds souverains de Abu Dhabi, de Koweït, etc., il y a beaucoup de femmes qui travaillent et ils ont toujours eu un grand respect pour moi. Voilà. Alors, voyez bien, j'ai évité habilement la France. Voilà. Donc, voilà. Alors, écoutez, aujourd'hui... Mon professeur, je vous dis, il avait raison. Et mon voisin de table, qui était mon ami, était meilleur que moi. Mais bon, ça m'a touché, la phrase m'a touché. Mais bon, je n'en veux pas, parce que moi, j'ai une notion du destin beaucoup plus haute. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi inscrites. On peut pas... Moi, je voulais être professeur de mathématiques, vous voyez. Je serais ravi de vous enseigner des mathématiques, même encore aujourd'hui. Mais bon, le destin un peu ma voix à cause de cette ouverture de Polytechnique a décidé autrement. Voilà. Alors la France quand même, il faut que j'aie le courage de dire, ça a beaucoup changé. Voilà, je vais faire un compliment entre ce que c'était en 75, je vais vous dire, même en 72, quand on est rentré à l'école Polytechnique, les militaires n'avaient rien prévu, ils pensaient qu'il n'y aurait aucune femme qui serait reçue. Donc c'était pas une vision de la femme très positive. On est resté en survêtement parce qu'il n'y avait pas d'uniforme de polytechnicienne. Voilà, on nous a mis à l'infirmerie parce qu'il n'y avait pas de chambre. Bon, donc tout ça, si vous voulez, fait partie de mes souvenirs, comme quoi il n'y avait pas une vue de la femme à peu près égalitaire avec celle que certaines personnes avaient des hommes. Mais ça a beaucoup, beaucoup changé. Aujourd'hui, moi, mon passé, ce n'est pas très important. Pour vous toutes qui sommes dans la salle, je pense qu'il n'y aura aucun handicap à faire la même carrière, à créer autant d'entreprises. Il faut savoir, j'ai eu le chiffre, je trouve que c'est déjà pas mal, il paraît qu'un tiers quand même des entreprises créées sont créées par des femmes. Ça m'a même étonnée, tellement je trouvais ça, on m'a dit c'est pas assez. Je dis oui, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est un énorme progrès en France en ce moment. Voilà. Et c'est tout, merci. Oh, mais bien sûr. Alors je préfère vous en citer une. Et très bien, et d'ailleurs, pour la question que monsieur m'a posée tout à l'heure, j'ajoute quand même si malheureusement, vous avez vu dans les l'auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas faire de service à la personne. Enfin, une SARL, ce n'est pas grand-chose à faire, je vous dis, parce que le service à la personne il y a eu des demandes énormes, vous le savez. Vous avez suivi la crise des EHPAD, vous voyez bien que tant qu'on peut garder des personnes âgées chez soi, c'est beaucoup mieux. Donc, pour en revenir à ce que dit monsieur, nous avons une entreprise à laquelle nous tenons énormément, qui s'appelle Santé et Compagnie, qui a été créée par monsieur Larbi Hamidi, qui est un Algérien d'origine, qui est né en banlieue dans un milieu extrêmement défavorisé, et qui a créé une de nos sociétés dont on est le plus fier, qui est extrêmement performante, qui travaille maintenant, je vais vous dire, même avec des hôpitaux. Donc c'est une société qui fait un peu, on va dire, ce qu'on appelle de l'hospitalisation à domicile, mais pour l'instant, c'est encore assez réglementé en France. Donc l'hospitalisation à domicile, vous savez qu'il faut une sorte de tampon des hôpitaux publics, mais tout ça est en train d'évoluer. Il offre, si vous voulez, d'abord tous les respirateurs, il fait des dialyses à domicile, et il permet aussi que... quelqu'un sort plus vite de l'hôpital et il aménage la maison comme si c'était un petit peu l'hôpital, voilà, avec des produits sophistiqués, avec un lit médicalisé s'il le faut. Et comme vous le savez, les séjours à l'hôpital coûtent beaucoup de cher à la sécurité sociale. En fait, c'est très important cette collaboration avec ce genre d'entreprise pour sortir plus vite les gens de l'hôpital. D'abord, ils descendent moins vite, parce que quand vous mettez des gens âgés à l'hôpital, en général, ils vont plus vite vers le bas. Et donc, c'est très important. Voilà. Donc, on est très, très fiers. Et c'est une société et un monsieur pour lequel j'ai le plus immense respect. Voilà. On en a d'autres, mais je ne pourrais pas vous citer toutes. Voilà.
Non, pas du tout. Quand vous créez une entreprise, vous avez une page blanche et vous n'êtes pas... Sauf si demain matin, vous dites « je vais créer une entreprise dans le domaine des semi-conducteurs ». Là, vous allez peut-être tout de suite être dans des problèmes entre la Chine, l'Europe, les États-Unis, mais enfin, c'est pas par là que vous allez commencer. Donc, le problème de la mondialisation ou la déglobalisation n'est pas présent pour la création d'entreprises. Il ne faut pas vous soucier de ça. Il faut vous soucier de dans quel secteur, la question que m'a posée monsieur, dans quel secteur, et peut-être avec quel ami, comme ça on est deux, c'est toujours plus agréable que d'être tout seul, et quel produit, voilà, et quel client avant tout. Ah, c'est une bonne question. Écoutez, alors, je vais vous répondre. Je ne sais pas répondre sur le plan légal. Par contre, je connais des personnes de cet âge-là qui ont fait une entreprise sur le net, sur le web. Par exemple, j'avais un voisin, un jeune voisin, qui était un peu dynamique à l'âge de 15 ans. Il était très, très, très fort sur les jeux vidéo. Et donc, il aidait des gens plus âgés. Mais sur le net, personne ne savait son âge. À utiliser ces jeux, voilà. Et alors, il avait pas le droit, je crois, à l'époque. Alors, je sais pas si c'est maintenant, mais c'était déjà il y a 10 ans. Je ne sais pas, je crois qu'il avait pas eu le droit d'ouvrir un compte bancaire. Et donc, un jour, sa mère m'avait raconté qu'il était arrivé chez elle et qu'il lui disait, bah, écoute, j'ai des clients, et donc, est-ce que tu pourrais ouvrir un compte sur lequel je pourrais verser les revenus? Donc, à mon avis, sur le web, on peut faire beaucoup de choses, même quand on a 15 ou 16 ans. Voilà. Je pense qu'on peut donner des services, oui. Alors maintenant, la légalité, faudrait que je vérifie. Ce qui est important, c'est la croissance des marchés, d'accord ? Si vous me disiez demain matin, je veux faire une entreprise dans le domaine, je reprends mon exemple, des moteurs thermiques, je vous déconseillerais formellement, parce que justement, tout va plutôt vers la voiture électrique. Donc, en fait... Si vous êtes dans un secteur en forte croissance, même s'il y a de la concurrence, vous pouvez très bien ouvrir une nouvelle entreprise. Il y a de la concurrence déjà dans les sociétés qui font du recyclage de vêtements, mais ce n'est pas pour ça, puisque c'est des volumes qui ne font que croître, vous pouvez ouvrir. Donc je pense que c'est plutôt la tendance globale du marché, si c'est à 25% de croissance, 30% de croissance, voire 100% de croissance, vous pouvez trouver votre place. Voilà. Ben, je vais vous dire, je reprends la phrase de Keynes que je vous ai citée au début, quand il dit les deux plus hauts défauts de l'humanité, c'est l'intentionnalité, c'est-à-dire la proportion à être plus sensible au futur lointain qu'aux effets immédiats. D'accord ? Nous n'avons jamais, depuis 27 ans que nous sommes créés, nous n'avons jamais dit « nous voulons être le leader français avec 150 milliards », ce qui est beaucoup plus gros que le numéro 2 français qui n'a que 25 milliards. Nous avons fait chaque jour le mieux de ce qu'on pouvait faire. Voilà. Donc moi, j'adore la phrase de Keynes, parce qu'il ne faut pas, vous le voyez bien, vous le voyez bien avec les événements géopolitiques dans le monde. Comment voulez-vous projeter des choses à 10 ans, à 15 ans? D'accord? Déjà, bien se conduire tous les jours, ne pas faire de mal autour de soi et être concentré pour faire bien ce qu'on fait, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et en général, ça progresse. Mais on n'a pas, même si on se dit qu'on a, ce que je vous disais du leader, une direction... Il ne faut pas que cette direction, disons, empêche vraiment la concentration sur le mieux au quotidien. Parce que tout change tout le temps. Vous êtes dans un environnement qui nécessite une grande capacité d'adaptation. Hein, écoutez, vous allez me dire que je suis au ras des pâquerettes. Il faut que vous ayez plus de chiffre d'affaires que de dépenses. D'accord ? Et c'est pour ça, hier ou avant-hier, je voyais des jeunes... voyais des jeunes femmes entrepreneurs. Et je leur ai dit, il faut vous focaliser sur les clients. Il faut que vous ayez des clients. Si vous n'avez pas de clients, ce n'est pas la peine d'embaucher des gens. Donc déjà, il faut que vous ayez l'idée d'un produit. Ensuite, vous trouvez le client, d'accord ?
Donc ça vous donne une idée, normalement, de ce que vous allez pouvoir faire. Vous avez vu, vous avez des limites au statut d'entrepreneur, de toute façon. Hein. Sur 78 000 euros, c'est déjà bien. Quand on commence, si c'est la première année, c'est même énorme. Et donc, il faut adapter vos dépenses simplement à ce que vous prévoyez de gagner. Voilà. Il ne faut pas mettre, comme on dit en langage très simple, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire les dépenses avant de voir les recettes. C'est la seule chose à vraiment faire de manière très consciente pendant les premiers 12 mois. Parce que si vous demandez de l'argent, de l'aide à vos parents, à des amis, à des business angels, ça va pas être formidable. Ça peut être une incitation à aller trop vite, à trop dépenser. Il faut déjà que vous puissiez avoir une vue de votre entreprise autonome. Vous et votre ami, quels sont nos clients, quel est notre produit, comment va se différencier, voilà. Et ensuite, vous payez la première année si vous y arrivez. C'est une très très bonne idée, c'est une très très bonne idée. Je vais vous dire que même nous, à l'intérieur d'Ardian, on a une start-up innovation. Parce qu'on veut que... Vous écoutez la réponse, s'il vous plaît. On veut que des salariés à nous puissent, disons, nous proposer des start-up, nous proposer des projets innovants. D'accord ? Donc, je pense que ça serait une très bonne idée. Il faudrait voir en quelle classe, par exemple, en quelle classe, mais ça serait très intéressant. Je pense que vous avez beaucoup d'acteurs qui peuvent vous aider. Vous pouvez avoir... Il y a une association pour tous les investisseurs. Vous avez bien sûr Station F. Ils peuvent le faire, parce que Xavier Niel, je suis sûr que ça l'intéresserait. Mais vous avez aussi une association qui regroupe toutes les personnes qui font le même métier que nous, de l'investissement. Et c'est certain que ces gens-là sont capables d'aller dans des classes et faire travailler les étudiants, les lycéens, en leur demandant quelles sont leurs idées, et ensuite les faire réfléchir quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises. Donc ça, je pense que c'est une très très bonne idée que vous suggérez. Voilà. En fait, je l'ai créé deux fois de suite, en fait, parce que dans les années 80, disons, j'étais rentré dans un groupe d'assurance et il m'a demandé, ce groupe, de créer une entreprise, une filiale. Donc j'avais, excusez-moi, je ne sais plus faire le calcul de tête, j'avais quoi, 30 et quelques années. Et c'était une entreprise qui investissait justement dans ma spécialité d'aujourd'hui, qui est les titres non cotés. D'accord. Ensuite, 11 ans après, je suis parti parce que ce groupe avait des problèmes. Il avait en particulier fait une faillite immobilière. Et donc, je suis rentré chez AXA. Et là, je connaissais bien le fondateur dont vous avez entendu le nom, Claude Bébéard. Et il m'a dit, je veux que tu fasses la même chose que tu faisais. Tu crées une entreprise qui va investir dans les titres non cotés. Et là, j'avais 42 ans. Voilà. Donc j'en ai créé une vers l'âge de 30-35 ans et ensuite une autre. Et en 2012, c'est le groupe AXA qui a voulu nous vendre. Et donc avec tous les salariés de l'entreprise et quelques investisseurs, on a racheté la société, elle a changé de nom, elle est devenue Ardian. Donc je pense qu'on peut créer à tous les âges, mais l'idée de créer, on m'a parlé de 16 ans, mais... 20 ans, le plus tôt est le mieux. Voilà, le plus tôt est le mieux. Vous savez ce que disait Dassault ? Il y avait Marcel Dassault, pour lequel j'ai une immense estime, qui a fait tous ces avions, qui a fait le groupe Dassault. Il embauchait toujours des gens très très jeunes. Et alors un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, mais enfin quand même, pourquoi tu embauches des gens que très 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 jeunes ? Il a dit, parce qu'après ils en savent trop. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous commencez à travailler quelque part pendant jusqu'à 35 ou 40 ans, ben vous commencez à avoir la culture de l'endroit où vous êtes. Vous voyez ? Et donc, c'est plus difficile, c'est plus facile de faire votre propre culture quand vous avez 18 ans, de la bâtir avec votre entreprise. Elle sera à votre image. Et ça, c'est important. Il y a une âme de l'entreprise, c'est un peu l'âme du fondateur. C'est pour ça que je vous ai cité tous ces exemples au début. Ce n'est pas pour le plaisir de citer des noms, d'accord ? C'est-à-dire que M. Packard, M. Steve Jobs, tout ça, ce sont des âmes de l'entreprise. Oui, alors là, oui. Ouh là là, là, c'est très technique la question. Hein. C'est une question de professeur, là. Alors,
La crise de 2009, je peux vous en parler très longuement, mais je vais essayer d'être très concise. C'est une crise qui reste dans l'histoire. Elle s'appelle d'ailleurs la grande crise financière, 2007 à 2009. Elle était inspirée par ce qu'on a appelé les subprimes, c'est-à-dire des crédits qui avaient été faits à des populations très défavorisées, qui n'étaient pas des crédits, qui étaient un cadeau, puisque au début, les personnes, en particulier les Américains pauvres, ne payaient pas grand-chose, et puis les annuités montaient. D'accord ? La finance mondiale est quand même une drôle de chose, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déglobalisation, il y a une globalisation de la finance mondiale. Il faut bien comprendre que l'argent, c'est quelque chose de volatile. Soit vous avez un billet et vous pouvez acheter des fruits, mais si c'est des instruments, ce qu'on appelle des instruments financiers, les instruments financiers se vendent dans le monde entier. Donc ces instruments financiers qui s'appelaient des subprimes... Restez concentrés, s'il vous plaît. Oui, c'est un peu compliqué la question. Donc, ces instruments financiers, ils étaient vendus dans le monde entier. C'était des instruments financiers, je vais les appeler pourris, en fait de mauvaise qualité. Et donc ils étaient dans toutes les SICAV monétaires. Donc vous voyez, les SICAV monétaires, vous savez ce que c'est. Vous en avez au Crédit Agricole, dans toutes les banques. Et donc, dès que cet instrument financier a fait faillite, toutes les SICAV monétaires ont commencé... Alors que normalement, les SICAV monétaires devaient garder à peu près le nominal et plus un petit intérêt, ils ont commencé à sombrer. Et donc, nous, ce qu'on a fait, si vous voulez, notre métier, c'est d'investir dans des entreprises. Mais comme on avait du cash, on a été obligé de regarder ce marché, ce qu'on appelait des subprimes. Et donc, on a découvert un pan entier, moi, je n'étais pas spécialiste de ça, de la finance, qui était, on va dire, extrêmement, on va dire, douteux. D'accord ? Et donc, on a réagi de manière très, très, très rapide pour sortir de toutes ces SICAV monétaires avant que le marché soit refermé. Donc oui, les crises demandent une très grande réactivité de prendre des décisions très rapides. Voilà, ça c'est la crise de 2009. En 2020, pour le Covid, eh bien oui, on a été obligé de réagir très vite puisqu'on a été obligé d'équiper toutes nos 1050 personnes d'ordinateurs à domicile, puisque tous n'avaient pas un ordinateur à domicile. Et on a continué à travailler énormément, même plus que d'habitude, pour regarder tous les risques qu'on pouvait avoir dans nos entreprises, parce que je vous le signale, que certaines entreprises avaient zéro de chiffre d'affaires. Vous ne pouvez plus vendre rien du tout. Donc quand vous avez des entreprises au zéro de chiffre d'affaires, c'est ce que je disais à monsieur, elles peuvent vite partir en faillite. Voilà. Donc... Dans les deux crises, ça a été pas du tout une réduction de notre travail, mais au contraire un accroissement sensible. Voilà. Bon, en 96, il n'y avait pas énormément de création d'entreprises dans ce domaine-là. On n'est pas non plus un marché, si vous voulez, où il y a des centaines d'entreprises. Donc, on n'avait pas tellement besoin de se démarquer. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, cette entreprise a été créée au sein du groupe AXA. Et donc, on avait la marque AXA, qui était un plus et un moins. Parce que quand vous avez une marque très forte, ça tue le métier que vous faites. D'accord ? C'est comme Danone, par exemple. Danone est une marque très, très forte. Donc, des Danone, c'est des yaourts, c'est des biscuits, mais finalement, les gens, OK, ils achètent des yaourts, mais c'est Danone. Et AXA, c'était tellement vrai que je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles ils nous ont vendus, c'est-à-dire private equity, qui est capital investissement. Ça n'était pas leur métier de cœur. Leur métier de cœur, c'est l'assurance. Et donc, finalement, on faisait un métier où, si vous voulez, on prenait une participation dans le club méditerranéen, on achetait les mayonnaises Benedicta. Et finalement, je pense que le président, il se dit quand même, ce truc-là, c'est pas mon métier à moi. Voilà. Donc, le choix de la marque est très important. Si vous créez une société, c'est certain qu'il ne faut pas prendre un nom comme ça au hasard. Il faut peut-être, vous avez des amis certainement qui seront dans ce domaine-là, des amis de collège ou de lycée qui vont faire des études de marketing, il faut leur demander conseil, comme le logo, c'est des choses très importantes, c'est une question importante que vous posez. C'est juste une question de coût, c'est ce que je vous ai expliqué. Il faut d'abord, il ne faut pas raisonner, comment dire, il faut raisonner au ras de terre, il faut raisonner avec les pieds dans la terre, dans le sol, terrien. Choisir un client, vous n'allez pas choisir
3-4 clients, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il ne faut pas rendre la situation trop complexe dès le départ. Quand vous aurez, ou alors vous allez vous installer en Italie, en Allemagne, où vous voulez, ou en Espagne, et vous créez votre entreprise, il vaut mieux avoir une proximité du client. Moi, mes premiers clients, ils étaient français. Donc, si vous voulez, ce n'est pas pareil maintenant. Mais il ne faut pas rendre votre marche trop difficile à gravir. Il faut donc commencer par un pays. Et je vous dis, mes premiers clients étaient français. Bon, c'est, en fait, oui, ils étaient français, mais je connaissais des gens au Québec et une personne en Hollande. Donc, on a eu deux clients étrangers. Voilà. Mais pour vos produits, essayez de trouver d'abord des clients français. Voilà. Mais après, si ça marche, vous élargirez très très vite. On reçoit toutes les demandes de stage et tous les CV, et ensuite les personnes sont interviewées. Et en fonction aussi des besoins de l'entreprise, là où on a besoin de stagiaires, et aussi en fonction de l'impression générale qu'on a au cours de l'interview, si on sent la personne très motivée, travailleuse, généralement ils sont pris. On regarde, je vais vous dire, moi j'ai jamais, une fois il y a un ancien patron d'AXA qui m'a appelé, parce qu'on avait du succès, et il me dit, quels sont les diplômes de tes gens? Je lui ai dit, je n'en sais rien, je m'en fiche, excusez-moi de vous le dire, je suis pourtant dans une grande université, je ne devrais pas dire ça. Mais ce qui compte, si vous voulez aussi, c'est la volonté de quelqu'un d'être intégré dans une collectivité, d'avoir des bons rapports humains avec ses proches, okay, et de travailler. Mais en général, c'est ce que j'ai dit aussi dans mon discours, on apprend beaucoup de choses sur le tas. Il y a des choses qu'on apprend à l'école, on apprend à lire, on apprend à compter, on apprend à écrire, on apprend la base. Mais beaucoup de choses dans une entreprise ne s'apprennent pas dans des universités. Donc il faut absolument commencer tôt. Donc c'est bien d'avoir un bagage, d'accord ? Mais je vais vous dire, c'est même quelquefois l'inverse, c'est-à-dire on voit des gens quelquefois surdiplômés qui ont fait Polytechnique, Berkeley, machin, truc. En général, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont reculé le fait d'entrer dans la vraie vie, dans la vie active. Et c'est vrai ce que je vous dis, c'est pas gai forcément, mais quelquefois c'est des échecs. Donc, la vie active, le fait de savoir travailler en équipe sont des qualités. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est déjà plus de 50% de la réussite. Alors, dans mon exposé, je vous ai dit que le statut d'auto-entrepreneur, et j'ai bien insisté là-dessus, requiert zéro. Donc c'est quand même agréable. Vous allez sur le net et vous créez votre entreprise, vous mettez zéro. D'accord ? Donc si vous avez déjà un ordinateur, aujourd'hui, vous pouvez même utiliser votre ordinateur, vous n'avez même pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Je vous le répète, zéro d'investissement, c'est faisable. Mais il faut trouver un client, un premier client, avec un produit. Donc, ne sous-estimez pas l'importance de votre démarche commerciale. Une entreprise qui marche, c'est une entreprise qui a des bons commerciaux, des gens qui vendent, qui comprennent l'importance d'un client. L'argent n'est pas roi. Je vais reprendre la phrase de Keynes, ne faites pas le veau d'or, l'argent n'est pas roi dans le monde. Ce qui est roi, c'est le talent. Voilà, je suis très contente de finir là-dessus.